peu près. Dépêchez-vous de marquer ces barils et de les charger. Arrimez la cargaison de Pittsburgh à l'arrière. Votre valise, monsieur. Merci, monsieur. Bon, et maintenant les caisses pour Memphis, par-dessus celles pour Natchez. Alors, grouillez-vous, mille tonnerres. Je veux arriver à la Nouvelle-Orléans avec un jour d'avance. Huck Finn. Oh, bonsoir, Jim. La veuve Douglas m'envoie te chercher. Elle veut commencer à dîner. Dis-lui que j'ai embarqué clandestinement sur la reine de Natchez et que je suis allé faire un petit tour en Amérique du Sud. Je ne pourrais jamais raconter à la veuve un mensonge pareil. Ils ont un grand fleuve en Amérique du Sud. Un fleuve qui n'est même pas sur la carte. Alors ils ont besoin d'explorateurs, tu comprends. Bien sûr, il faudra que je descende le fleuve jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Est-ce que ça serait pas une balade formidable, la Nouvelle-Orléans? Ça serait des embêtements sans fin. Et des embêtements, il y en aura pour tous les deux, si on ne rentre pas. Dis à la veuve et à Madame Watson que tu m'as cherché et que tu ne m'as pas trouvé. Tu sais, il va bientôt faire nuit. Eh, c'est vrai. L'air commence à sentir bon quand la nuit tombe. Tu seras en sûreté chez la veuve. Là, ton père ne viendra pas. Ton père, oui. Il te cherche, tu sais. Vaut mieux rentrer. Allez, viens. Les passagers pour Saint-Louis, veuillez monter à bord. Je voudrais bien partir en voyage quelque part. Dépêchons-nous, allons-nous-en. Les passagers pour Saint-Louis sont veuillez monter à bord. Il est encore pieds nus. Oh mon Dieu. Huckleberry, allons, assieds-toi avant que le dîner ne refroidisse. Il mettra ses chaussures dès qu'il aura fini la dernière bouchée. Amanda, je ne suis nullement la gardienne de ma sœur, comme il est écrit dans la Bible, et je ne suis pas non plus la gardienne de sa maison, mais je ne... C'est exact, Sarah, tu ne l'es pas. Mais je ne pense pas qu'on doive espérer des miracles de la part d'un garçon dont la pauvre mère repose au cimetière du village et dont le père se vautre honteusement dans l'ivresse et la débauche. Ce n'est pas la faute de Huckleberry, ma chère Sarah, il n'est pas responsable. Seigneur, grâce te soit rendue pour cette nourriture et pour tous tes bienfaits. Nous te supplions d'éclairer de ta lumière les pas hésitants de ce pécheur, de faire qu'il cesse de vagabonder tout le temps pieds nus, qu'il cesse de manger comme un cochon et qu'il aille enfin à l'école. Fais-lui entrevoir la sagesse de l'éducation. Afin qu'en devenant un homme, il puisse trouver une bonne place honnête et stable, de préférence à la manufacture des tabacs ou peut-être même dans une banque, selon ta sainte volonté. Et nous te prions de faire que plus tard, il devienne un homme respectable. Afin que lorsque les trompettes du jugement dernier sonneront, il ne soit pas damné et n'aille pas brûler dans les flammes éternelles de l'enfer. Amen. 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 You're hankering to wander, Huckleberry Finn. You're hankering to go about as far as a body can. I knows mighty well that wandering mood you're in. Out I knows, 'cause we all got it, Huckleberry Finn. Huckleberry, tu fumes à présent? Puisque je porte des souliers, alors j'ai le droit. Il ne faut pas fumer, c'est une très mauvaise habitude. Et d'autre part, ça n'est pas propre.
Oh, très bien. Je crois vraiment que je suis pas fait pour vivre comme les gens civilisés, vous savez. Oh, Huckleberry, il faut que tu essaies. Pas tant pour moi, mais pour Mademoiselle Watson. Elle se fait du souci pour toi. Elle s'inquiète de ce que tu deviendras lorsque tu seras un homme. C'est parce qu'elle t'aime beaucoup plus que tu ne le penses. Et si elle ne te retrouvait pas au paradis, elle serait bien malheureuse. Et maintenant, c'est l'heure où les jeunes garçons vont se coucher. Allons, viens. Soir, pas. Voilà que tu portes des souliers à présent. Tu crois que t'es devenu un vrai petit monsieur, n'est-ce pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tu vas fermer ta gueule, petite insolente, t'as compris? C'est à toi, ça? Oui. Et t'es capable de le lire? Aussi bien que je devrais, pas. Ou arrête de m'appeler pas. Je veux pas que tu sois mon fils. Ça porte des souliers de luxe, ça lit des livres. Tu sais écrire aussi, probablement. Ou très mal, pas. Ça prend de grands airs. Ta mère ne savait ni lire ni écrire, sa famille non plus, et la mienne non plus. Et moi non plus. Mais toi, tu crois que t'es supérieur à ton propre père. Qui est là? N'est-ce pas? Qui est-ce? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Je me doutais bien que c'était vous, monsieur Finn. Oh, monsieur Finn, n'est-ce pas? Non, mais écoutez ce langage d'aristocrate. C'est pas étonnant que tout ça lui monte à la tête. Oh, mon pauvre petit agneau. Et on le caresse et on le chouchoute, le petit agneau. Elle m'a jamais fait aucun mal, tu sais pas. Ce n'est pas juste. Un gamin qui vit mieux que son propre père. J'ai besoin d'avoir quelqu'un pour travailler, pour s'occuper de moi. Je suis un homme malade. Naturellement, si j'avais un peu d'argent pour les médicaments et les soins, j'aurais pas besoin d'emmener le gosse. Combien d'argent vous faut-il? Oh, peut-être 400 dollars. 400? Mais je suis une pauvre femme, monsieur Fim. Mais il me semble que vous avez quand même du bien au soleil. Cette esclave, par exemple, doit bien faire dans les 400 dollars. Peut-être même davantage. Non, il faut pas. Il faut pas qu'elle se sépare de Jim. C'est injuste, pas. Je t'en supplie, fais pas vendre Jim, pas. C'est pas assez qu'il sache lire et écrire. Vous trouvez que ça n'est pas suffisant? Il faut encore que vous en fassiez un sale abolitionniste. Je suis pas un abolitionniste. Tais-toi, pour rien. Lâchez-le. Et vous, la veuve, je vous donne jusqu'à demain soir, pas plus tard. Si j'ai pas les 400 dollars, je m'en vais quitter le pays et j'emmènerai le gamin avec moi. Vous connaissez le chemin de ma cabane au bord du fleuve, n'est-ce pas? Je vous attendrai. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Bah, t'as dit que tu allais ramener des provisions. Toi, tu penses qu'à t'empiffrer? Eh ben, j'ai rien ramené. J'avais juste assez d'argent pour ce cruchon. Que cette satanée veuve aille au diable. Elle aime encore mieux garder son esclave que de t'avoir avec elle. Je l'ai attendue toute la journée. Je suis resté debout, planté en plein milieu de la place, pour qu'elle aille pas se déranger et à faire tout le chemin jusqu'ici. Mais c'est même pas montré. C'est des salauds. Tous des salauds et des pourris. Plus je regarde la race humaine, plus je suis dégoûté d'être un homme. Jamais rien tiré d'eux. Excepté des malédictions, des injures, des coups de pied, c'est tout. Jamais la moindre petite chance. Et ta mère. Ta mère aussi s'en foutait. Et toi aussi, tu t'en fous. C'est toi qui l'as tué. Tu l'as assassiné en venant au monde. Et
Moi, pauvre homme, je suis resté avec un marmot en train de brailler, même pour une femme pour m'aider. Tu crois que la Providence, dans sa miséricorde, aurait tendu une main secourable à un pauvre déshérité? Non, il n'y a rien à faire. Rien à faire qu'à rester là et attendre que l'ange des ténèbres veuille bien m'emporter. Et tout le monde s'en fout. Personne ne viendra, personne! Alors, je fais trop de misère pour un seul homme. Pas. Je t'aiderai, moi, tu sais, pas. Pas, écoute. Toi! Toi! Je te connais. T'es l'ange des ténèbres. Tu viens me chercher. Mais je vais pas me laisser faire. Je vais t'égorger. Comme ça, tu reviendras plus jamais! Pas. Je suis pas un ange des ténèbres, je suis ton fils, pas, je t'en supplie. Je vais te tuer, je te dis. Non, non, ne me tue pas! Ne t'approche pas, s'il te plaît, pas. Je vais te tuer, je te dis. Quand tu seras bien mort, tout s'arrangera. Parfaitement bien. T'as bien raison, Pa. Si je pouvais mourir, tout s'arrangerait merveilleusement bien. Et surtout pour moi. Alors, je crois bien que je vais être obligé de m'assassiner. Mon fils, mon enfant, au meurtre, ils ont noyé mon enfant, ils l'ont assassiné. Sainte mère, tu es un fantôme. Mais non, je suis pas un fantôme. Mais tu es mort. Ton père s'est mis à courir la ville en criant qu'on t'avait tué. Eh bien, je me suis débrouillée pour lui faire croire qu'on m'avait tué. Mais je suis pas mort. Regarde. Touche-moi. Aie pas peur. Touche-moi.
J'aurais joué une bonne farce, hein, Jim? Oh oui, c'est une bonne farce. Oh, tu es très malin, tu sais. Oui, ça c'est vrai. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je m'en vais quelque part où il n'y aura pas une cloche pour dire de te réveiller, et une autre pour te faire manger, et une autre pour t'envoyer dormir. La Nouvelle-Orléans, peut-être bien. C'est de là que je dois partir si je veux aller au Brésil. J'ai un canoë caché dans les roseaux. Je vais me laisser dériver tout le long du fleuve, après Saint-Louis, Cairo... Cairo? Dans l'Illinois? Mm-hmm. Je descendrai plus loin encore. Plein sud jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Moi, j'ai un radeau qui fera ton affaire mieux qu'un canoë. Il était abandonné sur le fleuve. Oui, c'est vrai. C'est un beau radeau. Bien sûr, si on pouvait y installer une petite tente pour se mettre à l'abri, ça serait beaucoup mieux. Oui, avec un sol en terre battue, il sera magnifique, tu verras. Tu sais, j'ai des écuelles, des tasses, une poêle, des couteaux. J'ai tout ce qu'il faut. On n'a plus besoin que d'un peu de chance. Toi aussi, tu veux partir? Je me suis enfui de chez la veuve Douglas. Tu as fait ça? Oui, j'avais peur qu'elle me vende pour pouvoir payer ton père. Il ne faut pas faire ça, Jim. Tu lui appartiens, et ce qui est juste est juste. D'ailleurs, on te rattrapera, c'est certain. Un esclave tout seul sur un radeau. Je serais plus tranquille si j'étais avec un blanc. Même si c'est un petit garçon. Je ne pourrai jamais aider un esclave en fuite, parce que les gens iront raconter partout que je suis un sale abolitionniste. Je sais, tu as raison. Virez à droite. Le courant a dû entraîner le corps du gamin par ici. Ils sont en train de chercher ton cadavre. Oui, j'ai l'impression que c'est mon cadavre qu'ils cherchent. Approche-toi du rivage. L'esclave qui l'a tué, qui s'est échappé, s'est sûrement caché dans une de ces îles. Il pense que c'est toi qui m'as tué. C'est pas vrai, bien sûr, puisque je suis vivant. Dépêche-toi de filer. Prends le radeau. Mais toi, où iras-tu? Je pourrais aller avec toi, Huck. Je pensais descendre jusque dans l'Illinois et de là me débrouiller pour passer la frontière. Pour qui est-ce que tu me prends, Jim? Je ne vais pas aider un esclave en fuite. Ça ne serait pas très honnête. Je suis sûr qu'il est sur cette île. On va accoster. Eh bien, je regrette, Jim. Tu sais que je ne peux pas t'emmener avec moi. Alors, tant pis. Tu dois faire ce qui est juste et je t'admire pour ça. Merci, Jim. Quand ils me trouveront, t'en fais pas. Ils ne sauront pas que tu es vivant. Ils auront beau me fouetter, me battre, m'arracher les oreilles. Je jure de ne pas dire que tu n'es pas mort. Que le diable me patafiole. C'est vrai, il n'y a que toi qu'il sait, n'est-ce pas? Pense à ton père, Huck. C'est à lui surtout que je ne dirai rien. Mon père, c'est vrai. Et quand t'as parlé dans mon sommeil, j'irai dormir quelque part où personne ne viendra m'entendre parler. Pourquoi? Tu parles aussi en dormant? C'est une manie que j'ai des fois, mais ça va déjà mieux. Jim, il faut que tu viennes avec moi. Non, ça ne serait pas honnête. Oh, tout ça ne compte pas quand on n'a pas le choix. Si je te laissais ici, ça ne serait pas très malin. Allez, viens, Jim. Par ici, les gars, allons-y. Je t'en prie, Jim, viens avec moi. Si tu crois que c'est mieux que je vienne, Huck, alors je viendrai parce que t'es très malin. Alors allons-y. En route. J'ai toujours pensé que pour un petit blanc, tu savais très bien raisonner. Merci, Jim. Tiens, donne-moi la perche si tu veux. Tu n'as plus qu'à laisser faire le vieux Jim. Prends le gouvernail et en route. Il n'y a plus qu'à faire attention à ne pas nous laisser prendre. Regarde là-bas les oiseaux. Hein, ils sont jolis. Oui, ils savent pas où aller. Oh, j'ai une faim terrible. Je voudrais bien qu'on attrape quelque chose. Ouais. Est-ce que tu vois une ferme là-bas, toi? Jim, si on prend quelque chose avec l'intention de le rendre, ça n'est pas volé, c'est juste emprunté, n'est-ce pas?
Non, mais je préfère emprunter ce qui se trouve dans l'eau. C'est pas prudent d'aller à terre. Est-ce que tu as faim ou est-ce que tu n'as pas faim? Alors on va à terre. Viens par ici. Si votre seigneurie veut bien. Il y a rien ici. On est passé avant nous, c'est tout ce qui reste. S'il y a encore des œufs, ils doivent être dans les poules. Oui, mais on ne peut pas emprunter une poule. Pourtant, mon père disait souvent, prends le poulet quand on a l'occasion. Car si tu n'en veux pas, il y aura quelqu'un à qui ça fera plaisir. Et une bonne action sera toujours récompensée. Il y en a un par là. Allons, sortez de là, espèce de coyote au pied fourchu. Montrez-nous si vous savez mourir comme des hommes. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Tu t'appelles Grand Gerfaux? Non, monsieur, je m'appelle William Abner. William. Et voici Jim, mon fidèle serviteur. Nous sommes en route pour... William, je n'ai jamais entendu ce nom par ici. Eh bien, ça, alors, c'est curieux. Ça me semble à peine croyable. Un grand gerfaut! Tu es un grand berger? Non, je ne suis qu'un petit garçon. Ça ne fait aucune différence. Je te tuerai quand même si tu es un grand berger. Mais pourquoi voulez-vous faire ça, monsieur? Il y a une mésentente entre les grands bergers et les grands gerfaux. Hein? Est-ce que tu sais seulement ce que c'est qu'une mésentente? Eh bien, je vais te le dire. Voilà, ça se passe toujours de la façon suivante. Un homme se prend de querelle avec un autre homme. Alors, il le tue. Puis le frère de l'homme qui est tué va tuer le premier. Ensuite, tous les frères de chaque famille se mettent de la partie. Après ça, tous les cousins aussi s'en mêlent. Petit à petit, tout le monde est tué, et voilà comment se termine la mésentente. Sauf qui peut! Le monsieur a dit sauf qui peut. Nous n'avons rien à voir dans un pays où les gens se tuent sans même savoir pourquoi. Oh les mains! Vous n'allez pas me tuer, monsieur. Je ne suis ni un grand gerfaut, ni un grand berger, je vous l'assure. Ton nom ne m'intéresse pas, t'es un voleur de poules. Ne tirez pas, monsieur. Sauf qui peut, Jim. Jim, regarde. Allons voir. N'approchez pas de notre anneau. Oh non, non, non. Veuillez tendre à nos invités une main cordiale et accueillante. À lui aussi? Mais naturellement, on l'invite aussi. Si je m'écoutais, je vous laisserais bien vous noyer. Je crois que vous vous trompez. C'est pas nous, c'est vous les invités. Sradula nous appartient. Oui, et ces œufs-ci nous appartiennent. Entre gens du même monde et de vous à moi, faites-nous donc l'honneur de partager notre petite collation. J'avoue que ça me ferait rudement plaisir. N'est-ce pas? Des œufs à la créole, une spécialité de l'hôtel du Grand Créole à la Nouvelle-Orléans. Et vous y avez séjourné souvent, je suppose? Non, pas souvent. En tout cas, pas encore. Oh, mais il faut. C'est le seul hôtel de toutes les Amériques où les gens de qualité reçoivent un accueil acceptable. Je vous conseille vivement d'y aller à la prochaine occasion. Oui, d'accord, j'irai. Demandez donc à votre valet de nous éloigner du rivage. Le fumet de ce festin risque fort de nous attirer tous les fâcheux des alentours. Bon, allons-y, Jim. Mmh.
ces œufs à la créole, un régal de roi. Délicieux. Eh bien, nous arriverons à Piquetsville demain dans la matinée. Nous avons affaire demain à Piquetsville. Des affaires de famille. Peut-être cela vous amuserait de reluquer ces quelques lignes. Nous les avons découvertes dans le journal local. Je ne lis pas très bien les caractères imprimés. Oh, oh. Nous apprenons que M. Wilkes, un des éminents citoyens de Piquetsville, est gravement malade. Il a demandé à ses deux frères, Arthur et William, qui sont pasteurs en Angleterre à Sheffield, de venir avec leur neveu Patrice, âgé de 13 ans, s'établir ici afin de l'aider à gérer ses biens. Notre cher concitoyen n'a pas vu ses deux révérends frères depuis 28 ans. Je crois que c'est parfaitement clair. Oui, mais où sont les révérends? C'est nous, les révérends. Et au diable, crois-tu qu'ils soient, les révérends? Mais alors, où est-il, votre neveu Patrice? Oh, nous perdîmes notre Patrice sur un océan Pacifique déchaîné, en venant d'Angleterre. Un accident tragique. Les requins furent sans pitié. Mais je suis persuadé qu'il vient de renaître. Patrice. Mais je ne m'appelle pas Patrice. S'il venait avec nous, les braves gens de Piquetsville ne feront aucune difficulté pour nous croire. Nous allons à Cairo. Un petit arrêt vous reposera sans trop vous retarder et nous vous serions tellement reconnaissants. Mais vous allez à Cairo pour quoi faire? Il n'y a rien à voir excepté les chasseurs d'esclaves et les esclaves qu'ils pourchassent. Oh, nous avons affaire dans le coin. Mais naturellement, ils ont affaire dans le coin. Et quel genre d'affaires avez-vous là-bas? Des affaires de famille, exactement comme vous. Je m'appelle William, Abner William. Et voici mon inséparable serviteur Jim. Nous allons prendre possession de grandes terres qui me reviennent par décret du gouvernement. Ceci à cause que mon frère Ned a été scalpé par les Indiens Cheyenne. C'est ça, vos affaires? Oui, c'est ça. Vous comprenez, ma famille était très riche, mais elle a été exterminée dans une mésentente. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mioche? Eh bien, il est en train de pleurer sa grandeur passée. N'est-ce pas, petit? Oui, monsieur. Eh oui, rien n'accable davantage l'être humain que de tels revers. Vous devriez pourtant savoir ce que c'est que la grandeur perdue. Je devrais. Voulez-vous nous permettre de nous présenter? Cet homme-là n'est rien d'autre qu'un rejeton de la grande noblesse d'épée. Hélas, il est privé à jamais de son titre, mais il est et reste duc de l'Abbaye Verte. Un duc? Un duc? Il vagissait encore quand il fut arraché à son berceau doré et obligé de se défendre tout seul avec ses petites menottes nues contre un monde rapace et cruel. Tout seul? Cette tragédie lui a obscurci l'essence d'une manière totale. Pauvre enfant perdu. Un vrai seigneur? C'est extraordinaire. J'arrive pas à y croire. Ah. Car celui qui a dit que la vérité est plus étrange que la fiction savait très bien ce qu'il disait. Tenez, moi-même. Vous avez entendu parler du jeune dauphin, n'est-ce pas, le fils de Louis XVIe et de Marie-Antoinette? Bien sûr. Votre érudition m'enchante. Eh bien, c'est moi. À cette heure-ci, je devrais me prélasser sur mon trône s'il n'avait été illégalement occupé par l'usurpateur corse. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il dit tout simplement qu'il est le roi de France. Le roi? Je le serai, si justice m'était jamais rendue. Qu'en dis-tu, mon gars? Si tu acceptes de suivre la famille royale, tu pourras en tirer des avantages dépassant 60 dollars. 60 dollars? Nous allons à Cairo. Une royale invitation ne se refuse jamais. À moins que vous ne préfériez continuer à la nage. Ça paraîtrait très bizarre qu'un garçon et son fidèle serviteur rechignent à gagner 60 dollars en bon argent. Qu'en dis-tu, petit? C'est à toi de décider. Avec plaisir et à votre service, votre royauté. Majesté suffira. Royauté ne s'emploie que dans les grandes occasions. Qu'est-ce qu'il est donc? Un révérend anglais ou un roi français? Ça alors, je vous jure. Ton ignorance des rois pourrait remplir des livres entiers. Ce que cette noblesse est en train de faire est la chose la plus courante au monde. Ça s'appelle voyager incognito. En route pour Piquetsville, Pays Verte. Lors, un jeune garçon leur montra la voie. Ah là là là, le monde est rempli de pigeons qui attendent patiemment que nous les plumions. Ah là là là, il y a tellement de pigeons qu'avec toutes leurs plumes, on pourrait faire des milliers d'édredons.
ciel est plus grand ce soir, c'est joli. As-tu jamais vu briller autant d'étoiles? C'est à se demander d'où elles sont toutes sorties. Elles ont sûrement été pondues par la lune. Une fois, j'ai vu une grenouille qui a pondu aussi des milliers d'œufs. Je crois qu'on va avoir des tas de misères. Oh, ne t'en fais donc pas. Il faut toujours voir le bon côté des choses. D'ailleurs, on est des aventuriers. Et puis, il y a une chose que mon père m'a apprise. Le meilleur moyen avec ce genre de bons hommes, c'est de les laisser croire que c'est eux qui vous possèdent. Je n'ai jamais vu un type qui pouvait prier autant que toi. On ne prie jamais assez, surtout si on a péché. Et tu sais, le Seigneur voit tout. Oh, je crois pas que tu sois un si grand pécheur. Qu'est-ce que tu as fait comme péché, excepté de t'enfuir de chez la veuve? Oh, j'en ai sur la conscience, j'en ai beaucoup. J'ai commis un péché affreux dont aucun homme n'est capable, qu'il soit noir ou blanc. Oh, tu exagères. Tu connais ma petite fille, ma petite Lisbeth. Il y a longtemps, lorsqu'elle n'avait que 4 ans, elle est tombée gravement malade, elle a eu la scarlatine. Mais Dieu merci, elle a guéri. Et un jour, nous étions assis dans la cabane, et la porte était ouverte. Alors, je lui ai dit, ferme la porte, Lisbeth. Elle n'a pas bougé. Je le lui ai dit encore une fois, elle n'a même pas fait attention. Elle restait là sans rien dire. Elle me regardait, elle avait l'air de sourire. J'ai dit, attends, je vais t'apprendre à obéir. Et je lui ai donné une gifle. Et elle l'a reçue en pleine figure. Elle est allée rouler par terre. Alors je suis sorti prendre l'air. J'avais grand besoin de me calmer. Et quand je suis revenu, 10 minutes après, la porte était encore ouverte. La fillette était juste devant. Elle regardait le sol, toute triste. Elle pleurait doucement et de grosses larmes inondaient son visage. Moi, j'étais furieux. Et comme j'allais recommencer à la battre, il y a eu un coup de vent qui a claqué la porte. Et elle est vlan. Et l'enfant, elle a même pas bougé. Elle a pas fait un geste. Huck, elle était tout à fait sourde. Elle était devenue sourde à cause de la fièvre scarlatine. Et je l'avais giflé tellement fort. Alors j'ai pleuré de tous mes yeux. Je l'ai prise dans mes bras, tout contre moi, et j'ai prié Dieu qu'il me pardonne. Car moi, je ne peux pas me pardonner. Que le Seigneur sait quel grand pécheur je suis. Il sait que je mérite tous les malheurs du monde. Ville a l'air d'une corne d'abondance. Les chers concitoyens de cette cocagne doivent être riches à faire pâlir d'envie dans sa tombe le roi Crésus en personne. Les gens fortunés sont très méfiants. Il serait de bonne politique de glaner quelques renseignements sur le cher Peter Wilkes. Comment comptez-vous vous y prendre, Majesté? Comme on glane des renseignements partout ailleurs. Chez le barbier du village. Et vous avez besoin de vous faire raser, Majesté. Il est vraiment formidable. Un esclave évadé recherché pour meurtre récompense $200. Il paraît qu'un gosse appelé Huckleberry Finn a été tué, découpé en petits morceaux et puis noyé dans le fleuve. Le jour suivant, l'esclave s'est enfui. Pauvre petit gamin, il n'était pas plus de toi. Oui, pauvre petit gamin. Sa pauvre mère et son pauvre père doivent le pleurer à chaudes larmes. Oui, spécialement son pauvre père. Cet esclave évadé, ils disent qu'il s'appelle Jim. C'est comme ça que tu t'appelles, non? Oh, mais l'esclave qu'ils veulent capturer, il a tué un gosse pas plus grand que moi. Mais alors ça ne peut pas être lui. Parce que moi, je suis vivant. Tenez, touchez-moi. Craignez rien, touchez-moi. Touchez-le, touchez-le. Ha ha,
Voici, monsieur le roi, tu feras ce qu'il dira de faire, t'as compris? Je vous remercie infiniment, cher monsieur. Mais je croyais que vous présenter le Figaro génial, l'artiste en tout poil de cette ville bénie. Mon frère, le révérend William Wilkes, notre neveu Patrice. Celui-là, c'est notre dévoué serviteur. Alors, c'est donc vous qui êtes le diminué? Man Pardo. C'est bien lui qui est sourd-muet. Sourd-muet, dites-vous? Oui, de naissance. Monsieur Peter Wilkes nous a tout raconté sur son pauvre frère William. Sourd et muet? Oh! Sourd-muet, bien sûr. Et maintenant que votre honneur m'excuse, il faut que j'aille prévenir Mais vos... Ce sont les frères de Monsieur Wilkes et leur neveu. Vous connaissez la nouvelle? Le révérend Wilkes et son frère viennent d'arriver d'Angleterre. Dorénavant, vieille verte, la main sera plus leste que la langue. Nos deux nièces, Marie-Jeanne et Johanna, nous attendent avec impatience. Pauvres petites orphelines. Oui, le révérend Wilkes et son frère viennent d'arriver d'Angleterre. Le cher Peter Wilkes a cassé sa pipe à 10 heures la nuit dernière. C'était un saint homme qui récitait tous les soirs ses prières avant de se coucher et qui remettait ça à midi tous les jours de sa sainte vie. Madame Watson sera enchantée de le rencontrer au paradis, j'en suis persuadée. Nos chères petites nièces n'ont plus personne vers qui se tourner, excepté leurs chers oncles. Et naturellement, le cousin Patrice. Tenez! Tenez, les voilà, mademoiselle Marie-Jeanne! Oh, Johanna! Nos prières sont enfin exaucées. Nos chers oncles sont là. Ils sont là! Ils sont là! Ces deux bons hommes ne ressemblent pas aux révérends que je connais. Les voilà. Oh, béni soit le Très-Haut. Vous êtes Marie-Jeanne. Oh, clarté! Non, Marie-Jeanne. Oh, mais c'est déjà une petite femme. Oh. Mmh. Le vrai portrait de mon cher frère. Oh, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, vos oncles sont ici. Bonjour. Oh, Johanna, n'est-ce pas merveilleux? Regarde, Patrice, il n'a même pas de souliers. Ah, c'est la faute des corsaires. Sans pitié, ces vandales, ils nous ont volé jusqu'à nos attributs sacerdotaux. Ils ont mis à sac le petit bateau que l'archevêque de la Nouvelle-Orléans nous avait prêté. Un archevêque charmant. Il faut qu'il mette des souliers avant que je le considère comme un cousin. Oh, oncle Arthur, si seulement vous étiez arrivé hier soir, avant que père ne... Oh, hélas. Oh. Hélas, trois fois hélas, après 28 ans, le rater comme ça d'un cheveu. Votre oncle William a une furieuse envie de voir notre chère disparue. Artémise, Artémise, veillez à ce que leur domestique ait à manger et un coin pour dormir. Suivez-moi. Soyez bénis, mes chers concitoyens. Attendez un instant, mon enfant. Votre oncle William et moi avons quitté notre cure en Angleterre pour les profondeurs des jungles de la Patagonie dans le but précis d'évangéliser les infidèles. Nous sommes confortablement pourvus et grâce à la générosité de nos oies, et ce qui est à nous est à vous. Mais... Non, non, j'insiste, ma chère. Les infidèles peuvent attendre, car le poète l'a dit, les liens du sang sont plus forts que ceux de l'eau bénite. Mais oncle Arthur, père nous a laissé de la fortune. Nous avons cette maison, une tannerie qui est très prospère et 3000 dollars en or. Alléluia! Et il a laissé 3000 dollars en or pour vous et l'oncle William. Cela n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que les gentilles jeunes filles que vous êtes soient pourvues et bien pourvues. Père est dans cette pièce. Ah oui, il faut que nous rendions grâce à notre cher frère disparu. Patrice. Oui, oui, mon oncle. Qu'est-ce que tu as, Patrice? Est-ce que tu as peur? Non, mais...
Je ne crois pas qu'un petit garçon de mon âge doive assister à ce spectacle. Je ferais mieux d'aller voir où est Jim. Oh oui, oui. Alors va, illico presto. Oh, nous arrivons trop tard. Oh, 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 hélas, il est trop tard. Oh. Patrice. Hein? Tu as l'air terriblement pressé d'aller retrouver ton domestique. Tu as peur qu'il s'échappe? Qu'il s'échappe? Mais il n'y a pas au monde un esclave plus fidèle que celui-là. Veux-tu venir avec moi, Patrice? Alors, tu viens? Ça va, je viens. Tu vois ça? C'est un livre d'histoire. Je l'ai lu. Il dit qu'il n'y a plus d'esclaves en Angleterre depuis longtemps. Oh, mais non, il ne vient pas d'Angleterre. Nous l'avons ramassé dans une île déserte pendant qu'on traversait l'océan. Une île déserte? Dans l'Atlantique? Le Pacifique. Nous sommes venus par le Pacifique. Voici un livre de géographie. Je l'ai lu aussi. L'Atlantique est le seul océan entre l'Amérique et l'Angleterre. J'en ai assez, ma cousine, de toutes ces questions. Qui est-ce que tu vas croire? Un vieux livre de géographie miteux? Ou un gentleman qui vient d'arriver à l'instant du vieux continent? Très bien, viens avec moi, Patrice. Alors, tu viens? Ça, c'est une Bible. Je ne l'ai pas lue, mais je la garde sous la main pour faire jurer ceux que je soupçonne de dire des mensonges. Alors, lève la main et jure de dire la vérité. Et ne viens pas me raconter qu'ils ont une autre Bible en Angleterre. Vas-y, jure! Le plus cher désir de père était de revoir enfin ses frères bien-aimés. Cela ne lui fut pas accordé. Mais sa dernière volonté sera accomplie. Afin qu'ils puissent reposer en paix. Ne leur donne pas l'or, Marie-Jeanne. Ne fais pas ça. Ça serait une erreur. Oui, Johanna a raison. Ce n'est ni l'endroit ni le moment de parler de gros sous. Rien que la vue de ces 3000 dollars en or suffit à nous soulever le cœur, mon enfant. Mais nous ne serons pas égoïstes. Les dernières volontés du cher défunt doivent être respectées. Ouvrez la boîte. Laissez-moi vous débarrasser de ça. Ne craignez rien, je vais m'en occuper. Puisse son âme reposer dans la paix éternelle. Ah! Cet or aidera les infidèles de la Patagonie à trouver les saintes voies de notre Seigneur. Oh, oncle Arthur, comme je voudrais être assez désintéressée pour vendre la maison et la tannerie et employer les fonds à servir votre noble cause. Non, mon enfant. Non, je ne l'accepterai pas. Toi et Johanna, vous devez penser à votre avenir. À moins, bien sûr, que vous ne décidiez d'accepter l'hospitalité de vos deux oncles chéris et de vous établir définitivement au vieux pays d'Albion. En Angleterre? Vous aurez une très belle chambre au presbytère. Règne Britannia, règne sur les mers immenses. Oh, Johanna, c'est merveilleux. Nous irons vivre en Angleterre avec nos chers oncles. Eh bien, moi, je ne veux pas y aller. Johanna! Je n'ai aucune envie d'être dévorée par les sales requins qui grouillent dans le Pacifique. Mais qui est-ce qui a bien pu te parler de requins, Johanna? C'est Patrice. Il a dit que vous avez traversé le Pacifique pour venir ici. Et je sais que c'est infesté de requins. Patrice a commis une erreur. On traverse l'Atlantique pour venir d'Angleterre. Ça, j'en étais sûre. J'étais sûre qu'il racontait des mensonges. Tu ne t'appelles pas Patrice. Tu es un fumiste et un imposteur. Et si tu es un fumiste et un imposteur, ils le sont aussi. Voyons. Enfin, écoute, Johanna... Ce ne sont pas des fumistes, c'est impossible. Ce sont des hommes d'église. Oh, très bien, ne me crois pas, je ne suis qu'une gamine. Mais ça ne veut pas dire que je suis une idiote. Attends, je vais aller chercher le shérif. Il nous dira si nous avons affaire à des imposteurs, oui ou non. Et comme lui n'est pas un gamin, tu seras bien obligé de le croire. Alléluia! Johanna, regarde Patrice qui prie pour toi. Ça n'a rien d'extraordinaire, je fais la même chose à la maison tous les jours. Une prière sur le coup de midi. Comme l'oncle Peter nous a écrit qu'il faisait. Alléluia! Ce gamin est un génie. Johanna, comment peux-tu te méfier d'un jeune garçon aussi croyant et aussi pieux que lui? Je ne crois rien de tout ça. Johanna!
Oh, Clarture. Amen. Là, là, calme-toi. Les choses iront beaucoup mieux quand nous serons au presbytère. Oh, comme vous êtes bon, mon oncle. Oui. Nous partirons dès que vous aurez liquidé la tannerie et vendu la maison. Demain, après les obsèques, aussitôt que possible. Je me chargerai de tous ces petits détails, moi-même. Oh, quelle chance pour nous d'avoir un oncle aussi merveilleux. Oui, oui, oui. Pauvre petit Patrice, tu dois te sentir bien malheureux vêtu de ces affreux haillons et sans chaussures. Allez, viens, je vais te trouver des vêtements, tu vas voir. Tu seras beau comme tout. Oh. Alors viens, nous allons choisir ensemble ceux qui tireront le cher disparu. Jim! Jim! C'est toi, mon grand? Approche-toi. Dieu du ciel, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont donné la redingote du mort et ses chaussures. Je peux pas rester en cette maison. On va partir. Tu vas retourner au radeau. Tu le conduiras à 500 mètres en aval. Cache-toi bien et attends-moi. Parce que j'ai l'impression que ça va aller très mal. Cette Johanna, elle a l'air décidée à démasquer la grande noblesse. Si elle nous amène le shérif dans cette histoire, il est bien capable de croire que c'est toi l'esclave évadé qu'on recherche. Eh bien, je le suis. Et alors? Bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut prendre aucun risque. C'est très gentil à toi de me prévenir et de m'aider à m'échapper. Même si tout le monde dit que tu es un sale abolitionniste, c'est très courageux. Écoute, c'est très simple. Si la noblesse se fait prendre à voler l'or de ces deux pauvres jeunes filles, je veux que tout le monde sache que toi et moi, on n'a rien à voir dans cette histoire. C'est vrai. Et pour nous en sortir, il n'y a qu'un seul moyen. C'est de cacher cet or. Comme ça, ils ne pourront pas le voler. Mm-hmm. Et maintenant, retourne au radeau. Tu entends? Très bien. Moi, je vais cacher l'or. Allez. Où est l'oseille? La moisson a été abondante aujourd'hui, mon cher duc. Et ce beau filon n'est pas près de s'épuiser. C'est vraiment trop facile. Il est évident qu'avec tous les gogos de la ville de notre côté, cela devient un jeu d'enfant de les plumer un à un. Et tu sais qu'il y a encore 200 dollars qui demandent à être ramassés. Je pense à cet esclave qui est avec le gosse. Il porte aussi le nom de Jim, et celui qu'on recherche s'appelle comme ça. Non. Non. Le gosse ne trouverait pas ça très gentil. Ce ne serait pas très intelligent de l'avoir contre nous. Oui. La manière dont il nous a sauvé la mise avec le coup de la prière prouve qu'il possède l'âme d'un artiste. Avec le temps, l'expérience, un bon entraînement, on peut en faire l'escroc le plus raffiné de notre époque. Non. Nous n'allons donc pas encaisser les 200 deniers de la trahison. Du moins, pas pour l'instant. Veux-tu enlever tes godasses?
Endormi. J'ai entendu du bruit. Oh, Patrice. Quoi? Je l'ai fauché à votre oncle et je voulais le cacher pour vous. Dans le cercueil de père. Oh, Patrice, comment peux-tu commettre une si vilaine action? Ah, tu vois, tu ne voulais pas me croire. Oh, mais... Je vous demande pardon. C'est ma faute, mademoiselle Marie-Jeanne. Je vous ai entendu venir, alors j'ai voulu cacher le sac. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas donné, tout simplement? D'abord, je l'avais caché, puis j'allais cacher ailleurs, je veux dire, pas dans la même cachette, mais... C'est pourquoi... Je ne suis pas très convaincant, hein. Et comme si ce n'était pas assez, je te trouve en train de voler dans le cercueil de père. Pourquoi, Patrice, pourquoi? C'est encore la fièvre cérébrale. Le pillage des tombes en est souvent le premier symptôme. Je te l'avais bien dit pourtant qu'il mentait. Quand ça le prend, nous sommes obligés de l'enchaîner jusqu'à ce que la fièvre soit tombée. Mais jamais on ne me croit parce que je suis une fille. Johanna, va te coucher, il est tard. Mais il nous a raconté... Va te coucher. Oh, mon pauvre Patrice. Je ne m'appelle pas Patrice. Oh? Comment t'appelles-tu alors? Abner. Abner William. Mes parents ont tous été exterminés par les... Les Indiens Cheyenne. Oh, pauvre petit Patrice. Mademoiselle Marie-Jeanne, je vous en supplie, croyez-moi, ce ne sont pas vos oncles. Ce ne sont pas les révérends Arthur et William. Votre oncle William est le seul qui puisse le calmer quand ces crises le prennent. Ah, mon corps! Pauvre William, que le premier cri qui lui sort de la bouche soit une longue plainte, c'est un grand miracle. Mademoiselle Marie-Jeanne, je vous en supplie, croyez-moi. Oncle Arthur, laissez-le parler. Très bien, très bien. Et alors, Patrice, si nous ne sommes pas les révérends, eh bien, qui sommes-nous? Celui-ci est le duc de la Bille Verte, et celui-là est le roi de France. Oh, oncle Arthur! Mademoiselle Marie-Jeanne, je vous en supplie, écoutez-moi. Ah, c'est étrange, je n'arrivais pas à y croire. Je pensais que je voyais double. Marie-Jeanne! Le bateau à vapeur vient d'accoster. Bouton d'or, pétale de rose. Mais que veut-il dire par bouton d'or et pétale de rose? Ce sont les surnoms que père donnait à Johanna et moi quand nous étions des petites filles. Ce sont eux, nos vrais oncles. Oncle Arthur! Tu vois ce que tu as fait? Tu nous as fait perdre un héritage de 3000 dollars. Non, je vous en prie, non. Tu sais ce qui va t'arriver à présent? Comment as-tu osé me faire ça à moi? J'ai eu confiance en toi et ça ne m'était jamais arrivé auparavant. J'avais de grands projets pour toi. À nous deux, on aurait vidé toutes les poches d'ici à la Nouvelle-Orléans. Mais tu m'as poignardé traîtreusement dans le dos. Laisse-moi l'étrangler. Oh, vous n'en ferez rien. Vous êtes déjà assez compromis comme ça. Les habitants de cette ville savent la vérité à présent. Il y a des tas d'imbéciles chez nous qui sont disposés à accepter n'importe quoi, sauf d'être pris pour les imbéciles qu'ils sont. Toi, je te retrouverai. Où que tu sois, je ne t'oublierai pas. Crois-moi, le monde ne sera jamais assez vaste pour te cacher, mon ami. Il n'y aura pas un coin d'ici à l'autre bout de la terre où tu pourras te réfugier. Tu paieras mille fois ta traîtrise. Je te le jure, j'en fais ici le serment. Tu m'as bien compris? Ils sont là. Par ici, tous les deux. Oh, monsieur le représentant de la loi, enchanté de faire votre connaissance. Et pas d'histoire. Non, cher ami. On a de l'éducation, nous autres. Au revoir à tous. Au revoir. Je vous salue, gentille demoiselle.
Patrice, attends. Comment pourrons-nous jamais te remercier d'avoir dit la vérité? Et pardonne-moi, Patrice, de t'avoir cru aussi malfaisant que les deux autres. Mais je ne m'appelle pas Patrice. Eh bien, qui que tu sois, tu es parfaitement digne d'être mon cousin. Et gare à celui qui dira le contraire. Viens, mon chéri Anto, tu es ici chez toi. Il habitera avec nous. On lui donnera la chambre de papa. C'est tout naturel puisqu'il sera l'homme de la maison. Oh, mais je ne suis qu'un petit garçon. Tu iras à l'école ici même, à Pickettsville. Et puis quand il sera grand, il dirigera la tannerie. J'en suis sûrement indigne. Oh, j'ai tellement envie de le voir, avec de beaux vêtements tout neufs, chaussés de beaux souliers vernis, assis avec nous sur le banc familial à l'église. Il faudra aller à l'église, Abner. À moins que tu ne veuilles brûler à jamais dans les flammes éternelles de l'enfer. Oui, Madame Watson. Oui, Mademoiselle Johanna. De beaux souliers vernis et du travail à la tannerie. Tu t'imagines ça, toi? Ça m'a donné la chair de poule rien que d'y penser. Et avec ça, il y avait cette espèce de majesté qui avait juré d'avoir ma peau. Mon Dieu, ce qu'il était enragé et presque aussi méchant que papa. On a eu de la chance de s'en sortir. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir dans la noblesse, hein, petit? Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu retournes à Hannibal et que tu ne cours pas le risque d'être capturé par ici. Et de quoi tu parles? Eh bien, ça vaudrait 100 fois mieux pour toi d'être un bon esclave là-bas où tu as toute ta famille, puisqu'il faut que tu sois un esclave. Je ne suis pas obligé d'être esclave, et je ne serai jamais un esclave. Je vais être un homme libre dès que nous serons à Cairo. Et tu sais ce que je vais faire dès que je passerai la frontière? Je vais me trouver du travail. Un vrai travail où je serai payé. Peut-être dans une mercerie. Est-ce que tu me vois? Oui, madame. Ces aiguilles sont les plus fines que nous avons, madame. Elles ne coûtent que 4 cents. Oh, merci, madame. Dis, ça ne serait pas merveilleux? Cette boutique m'a l'air aussi amusante qu'une paire de beaux souliers vernis. Je vais me faire un petit magot afin de pouvoir acheter ma femme et la garder pour moi. Et alors, elle et moi, on va travailler dur et économiser pour acheter les deux enfants. Oh, Rook, mon petit, ne crains rien, tout va se passer très bien. Et tout ça parce que tu as aidé ton vieux Jim. Un instant, entendons-nous bien. Je ne t'aide pas à fuir parce que je suis, comme on dit, un sale abolitionniste. C'est que le seul moyen que j'ai pour ne pas retourner chez mon père, c'est de m'assurer que toi, tu es libre. Je sais tout ça, Rook. Je le sais bien. Quelle vie de chien, avec toutes ces histoires. J'aurais bien de la chance si j'arrive un jour à la Nouvelle-Orléans. You're hankering to wander, Huckleberry Finn. You're hankering to go about as far as a body can. I knows mighty well that wandering mood you're in. How'd I know? 'Cause we all got it, Huckleberry Finn. Huck, il y a trop de brouillard, on ne voit pas où on est. Regarde là-bas. On dirait une péniche. Elle est allée s'échouer sur les rochers. Elle a l'air abandonnée. On va monter à bord. J'ai pas envie d'explorer des épaves. Iowa. Keokuk, Iowa. Elle vient du Nord, Jim. Qui sait? Peut-être qu'elle appartient à des gens riches. Qui sait ce qu'ils ont laissé? Ils ont peut-être laissé un trésor. Peut-être. Allez, viens. Entrons.
Regarde ce que j'ai trouvé. Je t'avais dit qu'il y avait un trésor. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Faut pas y aller, Hugh. Et pourquoi pas? Il y a un homme mort là-dedans. Tu es sûr? On dirait qu'il a une balle dans la tête, en plein entre les yeux. Ça, par exemple. Allons-nous-en d'ici, Hugh. Est-ce que ses yeux sont encore ouverts? Oui, et il vous fixe. Laisse-moi aller voir. Non, je t'en prie, n'y va pas. Mais je n'ai jamais vu encore un homme mort comme ça. Et tu as vu M. Wilkes dans un cercueil? Oui, mais il n'avait pas une balle dans la tête. Quand deux personnes regardent les yeux d'un mort, c'est le plus mauvais signe qui soit. Moi, je ne crois ni aux fantômes, ni aux porte-malheur. Et je vais jeter un coup d'œil. Je dis qu'il ne faut pas y aller. Tu feras ce que je te dis. Tu entends? Tu entends? Gare à toi si tu vas regarder ce mort. Je t'en prie, Jim. Ne me fais pas de mal, dis. Huck. Huck. Oh, Huck, mon petit. Pardonne-moi. Le vieux Jim te ferait de mal pour rien au monde. Oh, mon Dieu, pardonne-moi pour ça. Qui est là? Sortez, sinon je vous envoie une volée de chevrotine à travers la porte. Mais ce n'est qu'un gamin. Qu'est-ce qu'il y a à votre service, messieurs? On est des chasseurs d'esclaves. Oh. On recherche des fugitifs. Qui c'est qui habite là-dedans? Mais attention, n'essaie pas de nous mentir. On a entendu des voix. Oh. Il y a combien de personnes là-dedans? Il n'y a qu'une personne. C'est un noir ou un blanc? Un blanc. D'ailleurs, je suis vraiment content que vous soyez là. Voyez-vous, c'est mon cousin Jeff. Le pauvre homme, il est malade. J'ai amené ce radeau jusqu'ici afin de pouvoir le transporter à terre. J'aimerais bien que vous m'aidiez à transporter le cousin Jeff sur le radeau afin que je puisse l'amener à terre. Ben, on n'a pas le temps, tu sais. Et il est gentil, ce petit. Donnons-lui un coup de main. Enfin, puisqu'on est à bord, jetons un coup d'œil. C'est par ici, s'il vous plaît. Vous pouvez entrer. C'est tout droit. Alors, où est-il, ton cousin? Dans cette cabine-là? Il est là, oui. Le cousin de Jeff vous sera bien obligé, monsieur. Quand je demandais aux autres, il s'enfuyait. Ben, je trouve pas ça très gentil. Oui, c'est curieux aussi. Écoute, gamin. De quoi il est malade, ton cousin Jeff? Dis-le-moi. Eh bien, c'est... rien de bien grave. Je suis sûr que tu mens. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Allons, dis-le-moi. Jetons un coup d'œil. Vous n'avez pas besoin de venir sur le radeau avec mon cousin Jeff. Vous ne risquez pas d'attraper la contagion. N'entends pas là-dedans. Ton cousin a attrapé la petite vérole. Allons, avoue-le. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit plus tôt? Réponds. Eh bien, chaque fois que je le dis, tout le monde s'enfuit. On n'a plus rien à faire ici. Et avant d'inviter les gens à bord, la prochaine fois, tâche de les prévenir. Merci bien, messieurs, merci quand même. Putain, cette péniche va couler. Allons-nous-en vite. Regarde, un esclave. Je ne le vois pas. Là. Va chercher le canot. On s'occupera de lui plus tard. Mais s'il arrive à s'enfuir, nous perdons la prime de $500. Dépêche-toi. Le gosse est parti avec. Tiens, attrape ça. Prends la garde. Ça y est, je le vois. Oh. Jim. Allez, viens. Ça y est. Oh là là, ça va mal. Je te dis qu'ils sont par là, je les ai entendus. En avant toutes. D'après le bruit, nous avons dû éperonner un radeau. On continue, capitaine? Machine arrière, toutes! Si c'était un radeau, il y avait peut-être des hommes. En arrière, toutes! Oui, capitaine. C'est plutôt bizarre de voir un petit garçon seul sur un radeau avec un nègre, n'est-ce pas, capitaine? Il s'appelle Jim, c'est mon fidèle serviteur. Quant à moi, je m'appelle William, Patrice William.
Et comme je vous disais, Jim, qui est mon fidèle serviteur, m'accompagne. Mes parents ont été assassinés par des imposteurs qui s'étaient déguisés en révérends. Nous devions nous enfuir ou nous laisser tuer. Vous comprenez, n'est-ce pas, capitaine? Tu me donnes des réponses à des questions que je ne t'ai jamais posées. Il m'importe peu de savoir d'où tu viens et où tu vas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de conduire ce bateau à destination, c'est-à-dire directement à la Nouvelle-Orléans. Tu peux payer ta place? À bord de mon bateau, il n'y a que les passagers qui ne travaillent pas. Alors vous devez travailler. Il y a une place de chauffeur dans la soute. Et mon garçon de cabine s'est embarqué sur un autre bateau. Moi? Un garçon de cabine? I ain't never felt so good before. Ain't never cared for living more. I ain't never thought I'd live to see what it's like to be feeling this free. I'll wait for you by the river. My true love told me one day. I'll wait for you by the river, and we'll go sailing away to a land I know, made of sun and shine, where dreams are blooming on every vine. I'll wait for you by the river, and we'll go sailing away to a land I know, made of sun and shine, where dreams are blooming on every vine. Excusez-moi, monsieur. I'll wait for you by the river. Vous m'avez demandé, capitaine? Oui. Veux-tu faire quelque chose pour moi? Oui, capitaine. Veux-tu prendre le gouvernail? Le gouvernail? Oh oui, capitaine. Tiens, approche, mets-toi là. Merci, capitaine. De la souplesse et de la fermeté. Ce bateau n'en fait qu'à sa tête, mais tâche de lui montrer qui est le patron. Ça n'est pas plus difficile que de conduire un radeau. Qui aurait pensé que je piloterais un bateau à vapeur à moi tout seul? Oh, fais bien attention, petit. Il faut de longues années pour connaître ce fleuve. Et quand tu crois le connaître, il change encore de visage. Oui, peut-être. Mais ce qu'il a de merveilleux, c'est qu'en suivant toujours son cours, il peut vous emmener jusqu'au bout du monde. Oui, si tu apprends à le connaître, le fleuve t'obéira peut-être, mais son humeur est changeante. Il peut te briser sur ses rochers ou encore t'aspirer dans les profondeurs de ses gouffres. Mais en ce moment, il n'y a aucun rocher en vue. Oh, c'est qu'ils sont cachés. Il y en a quelques-uns à bâbord, là-bas. Et là, c'est un banc de sable qui se forme. Je m'y attendais à cause du printemps que nous avons eu. Quand parfois tu distingues des lignes, des cercles qui jouent sur l'eau dormante, c'est un indice qui nous prévient qu'il se forme un écueil dont il faudra se méfier. Oui, des indices. C'est là tout ce que le fleuve daignera t'accorder. Quand le soleil est brûlant, cela veut dire que le lendemain, le vent soufflera fort. Le bois qui flotte veut dire que le fleuve monte. Les nuages d'argent voilant la lune t'annonceront qu'un orage se prépare et ces orages-là peuvent te balayer comme un fétu de paille. Oui, rien que de faibles indices. Et il faut que tu les connaisses tous si tu veux connaître le fleuve. Quand je regardais ces indices, je trouvais ça tellement... merveilleux. Oui, capitaine. Maintenant, vous me dites qu'ils annoncent des catastrophes terribles. Oh, mais ils gardent toute leur beauté. Il ne faut jamais l'oublier, mon petit. La beauté du fleuve vous remplit d'abord d'admiration, oui. Puis on s'aperçoit de tous les pièges que cache cette beauté, et ces pièges vous font oublier la beauté du fleuve. Ça, c'est un grand malheur. Et si par hasard ça t'arrive, mon garçon, quitte le fleuve à jamais. Mais pour l'instant, il ne faut pas négliger ton travail sur ce bateau qui consiste aussi à servir les officiers. Alors tu vas descendre au bar et me chercher une bouteille de bière. Oui, capitaine. Tout à l'heure, quand mon second viendra prendre son quart, j'aurai grand besoin de me délasser un peu. Va, dépêche-toi. Oui, capitaine.
de bière, mon capitaine. Barman, donnez à boire à madame, je vous prie. J'ai l'impression que si je... Mais on dirait bien... Mais c'est toi! She only thinks of the two diamond kind of love. Je ne vais pas te rater cette fois-ci. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te jeter sur les palettes de la roue. Et même si on arrive à trouver quelques-uns de tes membres déchiquetés, on dira toujours que c'est un accident. So if you wanna see bad news, go up and take a good look at her. I tell you, man, when she was born... Je le jette sur la roue à eau, mais qu'on en finisse. Non, Bille Verte. C'est pas très chrétien de le tuer. Je n'ai pas voulu faire de tort à votre royauté, je vous jure. Nous savons cela, moi, de par mon droit divin, et Bille Verte, de par son infinie sagesse, avons deviné que le sort de ces pauvres jeunes filles était le seul motif de tes actes. Nous savions tout ça. Ah ouais? Mais naturellement. Aussi, nous laisserons le passé mourir de sa belle mort. Et maintenant, serrons-nous la main, Patrice. Abner. Abner. Une pièce d'or de $20, Majesté. Rien ne vaut la royale effigie, mon cher, pour raccommoder une si vieille amitié. Merci beaucoup. Excusez-moi, Majesté, mais il faut que j'aille porter sa bière au capitaine. Oh, Abner, dis-moi, comment va ton ami africain? Qui ça, Jim? Mm-hmm. Il s'est noyé. Il est tombé du radeau pendant qu'il dormait. Il ne s'est aperçu de rien. J'ai veillé à ce qu'il ait des funérailles de première classe. Mais tu as certainement dû avoir beaucoup de chagrin. Non. En dormant, il parlait tout le temps. Il racontait qu'il allait fuir vers les États où il n'y a pas d'esclaves. Non. Ça me rendait furieux. Je serais allé jusqu'à le pousser moi-même dans l'eau. Je l'aurais fait, je vous le jure. Heureusement, il est tombé tout seul. Ça m'a évité une drôle de corvée. Hmm. Eh bien, je crois que tout est pour le mieux, n'est-ce pas? Car s'il était à bord de ce navire, sa vie ne vaudrait pas cher. Demain matin, nous touchons la dernière escale avant Cairo. Ce sera plein de chasseurs d'esclaves. Et des tas de représentants de la police vont fouiller ce bateau pour rechercher les fugitifs. Eh bien... Bonsoir, cher Abner. Fais de beaux rêves. Tu viens, Bille Verte? Ne laisse pas filer. J'ai patience. Fauche-t-on? L'uniforme m'allait très bien, mais le capitaine en aura besoin pour le garçon qui me remplacera. Eh bien, reste ici et j'irai à tire tout seul à la nage. Le territoire libre n'est plus très loin à présent. Mais, si jamais tu te fais attraper, on va me ramener chez mon père. Puisque tu veux voyager, ce bateau va te conduire jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Dis donc, est-ce que tu n'as pas envie que je vienne avec toi? Bien sûr, j'ai envie. Eh bien, alors, allons-y. Allons-y. Attention, ne faisons pas trop de bruit. Allez, on y va. Tu les as laissés s'enfuir. Ne t'énerve pas, Bille Verte. Les $200 offerts en récompense sont dans notre poche. Ne t'inquiète pas et surtout laisse-moi faire. Carmody est arrivé! Le grand cirque géant est là! C'est la seule et unique représentation de gala! 10 cents! La 10e partie d'un dollar! Nous n'avons reculé devant aucun sacrifice pour vous donner le plus grand spectacle de tout le Mississippi! Venez voir fugir les lions féroces! Les belles écuyères, la vraie femme à barbe! Est-ce que vous allez du côté de Cairo, dans l'Illinois, monsieur? Oui, petit, on repart ce soir. C'est ta dernière chance de voir le spectacle qui a bouleversé toutes les têtes couronnées de la vieille Europe! Les plus extravagantes féeries qu'on ait jamais vues dans ce pays! Et docteur... On va y aller, Jim. Allez, les gars, fouillez dans ce coin-là. George, fais-les avancer plus vite. On en a attrapé 6 tout à l'heure qui essayaient de traverser la crique bleue vers les États libres. On va les renvoyer chez eux par le prochain bateau. Attends-moi ici, je reviens. On va se faire embaucher au cirque. Sois prudent, Huck.
notre mère, veux-tu te lever? Tu n'apprendras jamais rien si tu restes couché. Homer, voyons. Pardon, monsieur, où est-ce que je pourrais trouver monsieur Carmody? Tiens, voilà ton dîner. Homer n'aime pas les navets. Il mangera des navets comme tout le monde. Mais monsieur Carmody, si on ne lui donne pas un peu de viande rouge, j'aurais très peur d'entrer dans la cage avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé aux zèbres? Eh bien, c'est lui qui tirait le chariot de tête le soir où il pleuvait à verse. Oh! Quand on arrivera à Chicago, j'espère qu'on pourra te donner un petit peu de viande. Monsieur Carmody! Rien que 10 cents, la dixième partie d'un dollar. Nous n'avons pas lésiné sur la dépense pour vous offrir le plus grand spectacle de tout le Mississippi. Nous avons un charmeur de serpents. C'est moi. Un brave parmi les braves qui défie tous les soirs la mort en montant sur le dos nu du sauvage zèbre africain. Et il peut être très vicieux parfois. Vous n'avez pas l'air d'avoir d'empereur de Patagonie, il me semble. Un empereur de Patagonie? Non, nous n'en avons pas en ce moment. Mais par contre, nous avons un jongleur qui fait un numéro unique dans l'histoire du Mississippi. Si seulement j'avais des oranges, je te montrerais. Et nous avons un dompteur de lions qui se débrouille pas mal du tout. Oh, eh bien, comme je suis moi-même le plus jeune dompteur de lions du monde, tout ça ne peut vraiment pas m'intéresser. Tu es le plus jeune dompteur de lions du monde? Dans le cirque de mes parents, c'était mon titre officiel, du temps où ils avaient un cirque, avant que la petite vérole ne les emporte tous. L'empereur de Patagonie et moi, on l'avait eu déjà auparavant. Alors bien sûr, on s'en est sorti. Ah, j'ai jamais entendu parler de la Patagonie, puis encore moins de son empereur. Ah, vous m'étonnez beaucoup, c'est à peine croyable. Dans tout l'Ouest, tout le monde venait pour l'admirer. On faisait des kilomètres à pied pour venir voir un authentique représentant de la royauté. Voyez-vous, mon père et ma mère, ils ont enlevé l'empereur de Patagonie, du temps où ils évangélisaient les infidèles. Ah, je croyais qu'ils possédaient un cirque, tes parents. Ils ont acheté le cirque quand ils ont vu que les infidèles, ça ne rapportait pas, vous comprenez? Ah, je vois. Mais par contre, ils ont fait fortune avec l'empereur. C'était notre plus grosse attraction. J'en avais des crampes aux bras à porter les sacs remplis d'argent tous les soirs. Ainsi, tu es le plus jeune dompteur de lions du monde, hein? Mm-hmm. Monsieur Carmody, nous avons déjà un excellent dompteur, moi. Je ne prendrai jamais la place d'un de mes confrères. Homer pourrait ne pas aimer travailler avec un autre dompteur que moi. Et je pourrais ne pas aimer travailler avec Homer. Oh, il n'a pas voulu te vexer, Homer. Ce lion-là ne m'intéresse pas. Mais étant donné que vous n'avez pas l'empereur de Patagonie... Eh ben, tu vois, si on ne devait pas quitter la ville ce soir, j'aurais bien discuté avec lui. Mais ça ne servira à rien de discuter avec lui, à moins que vous ne parliez de Patagonie couramment. Voyons, qu'est-ce que vous répondriez s'il disait « Gop, gop, figule, duc, ploc » Vous n'auriez pas la moindre idée de ce qu'il vous demande. Qu'est-ce qu'il demanderait, ton empereur, hein? Eh bien, il vous demande un navet. Bon, écoute, amène l'empereur ici et si tu veux, je lui parlerai. Mais si je l'engage dans mon cirque et qu'il attire une foule énorme, il faudra qu'il reste avec nous jusqu'à ce qu'on arrive à Chicago. Et ça, c'est mon dernier mot. Eh bien, je ferai mon possible pour le convaincre. Mais ça, je ne promets rien encore. Parce qu'il a énormément de bon sens pour un Patagonais. Vous n'avez pas avalé ces bobards, n'est-ce pas, M. Carmody? J'en ai pas cru un traître mot, mais vois-tu, je suis sûr que ce gosse a plus de disposition pour le cirque que toi et moi n'en aurons jamais. Alors, reste tranquille et je vais faire de toi le plus joli petit zèbre qu'on ait jamais vu dans l'histoire du cirque. Là. Abur, Azotep, Toeta, Ayagu. Vas-y, continue comme ça. On dira un vrai Patagonais. Écoute, petit, c'est bien gentil à toi de m'apprendre le Patagonais et tout ça. Mais pourquoi ne pas attendre la nuit et en profiter pour passer la frontière, hein? Et tu te feras prendre, j'en suis sûr, Jim. Avec mon système, on sera transporté, logé et nourri jusqu'à Chicago. Le patron, il n'arrivait pas à tenir en place. Il mourait d'envie de nous voir travailler chez lui. Tu t'imagines un peu? Carmody, le cirque le plus célèbre du monde entier. Carmody et Finn, le cirque le plus célèbre du monde entier. Finn et Carmody, le cirque le plus célèbre du monde entier. Essaye encore de parler. Gugle, midou, roudoudou, papo, tafanaro, zouli. Mesdames et messieurs, vous avez tous admiré le grand ours polaire, l'hideux et cruel vautour, le zèbre africain, le lion rugissant, la plus extraordinaire femme à barbe de l'univers, les pygmées,
les animaux savants et tout le reste. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire du spectacle, Carmody, le cirque le plus célèbre du monde entier, présente, accompagné par son ami et interprète, qui fut autrefois le plus jeune docteur de Lyon au monde, sa grandeur, l'empereur de toutes les Patagonies. L'empereur vous salue. Et maintenant, si l'un d'entre vous a des questions à poser à sa grandeur sur n'importe quel sujet, depuis la politique des Patagonais jusqu'à leurs relations diplomatiques, ou encore la vie au harem, qu'il parle sans nulle appréhension. Alors avez-vous des questions? Ça gagne combien un empereur en Patagonie? Ouga Ouga, Ugi Iga Iga, Ouga Abouga Bouga. Siwa Goua Gougoua. Oh. Plum plum. Il gagne 100 dollars par mois. Il gagne 100 dollars par mois. Je ne l'aurais jamais cru. Et maintenant, y a-t-il d'autres questions? Ne sait-il pas que c'est un péché d'avoir un harem? Tic-toc. Toc. Ouga Bouga. Goga. Noua Ouarilo Sim Sim. L'empereur dit qu'il ne le savait pas jusqu'à son arrivée ici. Mais quand il retournera dans son pays, il promet de chasser tous ses harems, excepté un seul. Voilà qui est équitable et c'est en plus un moment historique. Voyons, avez-vous d'autres questions? Oui. Je voudrais poser une question à monsieur l'empereur. Va chercher le shérif. Très bien, parlez, n'ayez pas peur. Alors, parlez donc, monsieur l'empereur est très aimable ce soir. Je voudrais demander à l'empereur quelles sont les peines prévues en Patagonie contre un empereur qui ne serait qu'un charlatan. Quoi en fait, Doubidia? Fichons le camp, nos oies sentir mauvais. Ah, puis filons en douce. À quoi tu dis, toi? Oh, Riluga, Asuna, filer en douce par le fleuve, y aller, dardard, majesté dangereux. L'empereur dit que c'est une question vraiment très intéressante. Et il voudrait qu'on lui laisse une ou deux heures pour réfléchir. Et maintenant, mesdames et messieurs, excusez-moi, et en vite. Je ne suis pas satisfait. Quoique ce serait une bonne réponse de la part d'un imposteur. Un imposteur? Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Je vous accuse d'abriter ici un esclave en fuite. Un esclave en fuite? Mais c'est impossible. Monsieur, cet empereur m'a été présenté par un des plus importants personnels des professionnels du cirque. Mm-hmm. Le plus jeune dompteur de lion du monde. C'est exact. Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Non. Mais je serais curieux de le voir faire son numéro. J'irai même plus loin. Je veux bien payer 100 dollars comptant rien que pour voir ce jeune dompteur pénétrer dans la cage au lion. Vous dites 100 dollars? Dépêche-toi, fiston. Oh, mais monsieur Carmody, je ne suis qu'un tout petit garçon. Sûrement à cause de ses sacrés navets. Ça le met dans tous ses états. Alors, est-ce que c'est un dompteur ou un imposteur? Je parie 100 dollars que c'est un imposteur. Un imposteur! On partagera toi et moi moitié-moitié. Ce sont des imposteurs, oui ou non? Oui. Qu'il entre dans la cage on ou attend. Non? Qu'il on y aille. Pressé, oui, qu'il y aille. Il y aille. Il y aille. Tire-la bien droite. Fais bien attention. Et surtout, n'aie pas peur. Non, arrête! N'entre pas là-dedans! C'est un esclave! Un esclave? Un esclave en fuite! Va-t'en, Jill, va-t'en! Attrapez-le! Oui, c'est celui-là, c'est bien lui! Aime-le bien surtout, demain! Secours, Jill! Lâchez-moi! Hank! Hank! Jim! Tu vas voir, toi! T'es un malin, n'est-ce pas, petit? Dommage que toute cette malice ne serve qu'à te conduire à ta perte. Maintenant, je vais te montrer ce qu'il en coûte de se croire plus malin que moi. Oh.
Au secours! À moi! Au secours! À moi! Espèce d'abruti, ça fait des semaines qu'il n'a pas eu de viande. Allons, sortez! Vous n'avez pas honte? Non, ce n'est rien, mon trésor. Allons, calme-toi, mon Minet. Qui est là? Blacky, Toby, taisez-vous. Ça vous réveillerait un mort. Jim! C'est toi, gamin? Et Jim? Je suis drôlement content de te retrouver. Vite, il faut qu'on sauve. J'étais tellement près de la liberté, juste derrière le petit bois. Il n'y avait pas 3 kilomètres. Derrière, c'est la crique bleue, et puis derrière la crique, on est un territoire libre. C'est des esclaves qui me l'ont dit. Des prisonniers comme moi. Tu pourrais pas te faufiler entre les planches? Non, c'est pas la peine. J'ai trop de péchés sur le cœur. Oh, tu es tout le temps à raconter tes péchés. Est-ce que tu te vantes ou quoi? Sauf la fois où tu t'es enfui de chez la veuve. Et encore, je ne suis pas sûr que c'est un péché. Eh bien, j'ai dit un mensonge à mon seul ami et je l'ai laissé avoir peur. Et ça, c'est un crime. Pourquoi? Ton pauvre père, il est mort. Tu te rappelles cette péniche et l'homme avec une balle dans la tête que je ne t'ai pas laissé voir? Eh bien, c'était ton père. Mon pauvre père. Il n'a jamais eu pendant toute sa vie la moindre petite chance. Et dire que pendant tout ce temps, j'avais tellement peur qu'il me reprenne. Et je n'avais aucune raison d'avoir peur. Je ne dois pas en vouloir au Seigneur de ne pas m'aider, car je mérite tout ce qui m'arrive. Tu sais quels gens il aide, le Seigneur? Il aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Oui. Je suis mademoiselle Douglas. Vous avez capturé mon esclave qui s'appelle Jim. Ah oui, mademoiselle. Entrez. Je vous en prie. Mais vous n'êtes qu'une petite fille, mademoiselle Douglas. Une bien jolie petite fille, je dois dire. Mais vous n'êtes quand même qu'une petite fille. Jim appartient à ma mère et nous étions descendus à l'hôtel car nous sommes de passage ici. Et vous imaginez notre étonnement en vous apercevant traînant notre esclave dans la rue. Ma pauvre mère, c'est très simple, elle s'est évanouie. Ah, pauvre femme, asseyez-vous. Oh, merci, vous êtes très aimable. Il faut que je me dépêche de ramener notre Jim pour que maman puisse enfin respirer. Oui, bien sûr, je vais le chercher. Au fait, j'allais oublier la récompense. La récompense? Ah oui, les 200 dollars que votre mère a offert pour la capture de son esclave. Avant de vous le rendre, je vais faire venir les 2 messieurs qui l'ont découvert. C'est que ma mère voudrait le reprendre le plus vite possible afin de lui infliger une bonne correction. Mais je n'en ai pas pour longtemps à les ramener. Si ça vous ennuie d'attendre, vous pouvez venir. Non, merci, j'attendrai. Tiens, bonjour. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un. Le shérif est allé chercher les 2 messieurs qui ont capturé notre Jim. Oh. Oh, mais c'est une bien jolie robe. Oh. J'ai mis n'importe quoi. Ma nièce Betty en a une qui lui ressemble étrangement. Elle est à peu près de votre taille, d'ailleurs. Vraiment? C'est curieux. Betty est venue passer quelques jours chez nous. Dans cette maison? Elle vient d'avoir une petite sœur et chez elle, tout est sans dessus-dessous. Vous n'avez pas besoin de chuchoter. Même le tonnerre ne réveillerait pas ma nièce. Mais asseyez-vous. Merci de votre gentillesse. Voyons un peu. Quel est votre prénom, dites-moi? Sarah. C'est très joli, Sarah. Ma mère aussi s'appelait Sarah. Oh. J'ai toujours dit à mon mari que si nous avions une fille, je l'appellerais Sarah.
en souvenir de ma mère. Une petite fille bien mignonne, c'est si gentil. On peut l'habiller de dentelle, de fanfreluche, et puis on lui apprend à cuisiner, à coudre. Oh, ma mère m'a appris à faire toutes ces choses-là, vous savez. Elle en a de la chance, votre mère. Notre mariage n'a été béni qu'une seule fois. J'ai eu un fils. Il ressemblait à son père, le cher enfant. Oh, que je suis maladroite. Voilà que j'ai perdu une maille. Oh! Je ne la vois nulle part. Ce n'est rien, j'ai rattrapé. Rappelez-moi donc comment vous vous appelez. Mary. Oh, je croyais que vous aviez dit Sarah tout à l'heure. Oh oui, bien sûr. C'est Sarah Mary. Parfois on m'appelle Sarah et parfois on m'appelle Mary. Oh, c'est comme ça que ça se passe chez vous alors? Oui, madame. Rendez-moi un petit service, voulez-vous? Oui, madame. Enfilez-moi une aiguille. C'est là-dedans. Prenez une aiguille, le fil est à côté. Je l'aurais fait si j'étais seule, mais on m'a toujours dit de ne pas cracher en public. C'est pas bien élevé. Très bien, mon garçon. Quel est ton vrai nom? Bill ou Bob ou Tom ou quoi? Je vous en prie, ne vous moquez pas d'une pauvre fillette sans défense, madame. Allons, tu n'es pas une fille. Tu ne te tiens pas comme une fille. Tu ne sais même pas enfiler une aiguille. Imaginez qu'on puisse tenir le fil et l'enfiler en amenant l'aiguille. Tu ne portes pas des chaussures de fille. D'ailleurs, je vois que tu ne portes pas de chaussures du tout. Essaierais-tu de m'embobiner par hasard? Qui donc es-tu? Un apprenti évadé? C'est parce qu'on t'a maltraité que tu t'es enfui de chez toi? C'est pour ça? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils me paieraient si j'aidais les esclaves à s'enfuir. Les abolitionnistes. Je vois que tu es honnête, c'est déjà ça. Tu raconteras au shérif tout ce que tu viens de me dire et il ne sera pas sévère avec toi. Oh, merci, madame. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Je vais te donner de la limonade. J'ai tellement soif. Je garde toujours un pichet de limonade pour mon mari. J'ai les clés, allez, viens. Tu fais tout ça pour moi, mon petit? Malgré que je t'ai caché la mort de ton père? Non, ce n'était pas gentil de ta part, Jim, mais on est très souvent obligé de mentir, au moins une fois dans sa vie. Et puis d'ailleurs, j'oublierai jamais que c'est toi qui m'as sauvé la vie. Allons-y. Je ne pourrai pas, Huck. Regarde ma jambe. Oh. Oh, ça fait mal, tu sais. Je crois que ma jambe est trop grosse. Oh. Oh, Jim. Oh. Allons, viens, filons. Aide-moi. Dépêchons-nous. Allez. Mais c'était pas une fille, c'était un petit garçon. C'est lui. Oh, pauvre enfant. Je suis allée lui chercher de la limonade, il a dû prendre peur et filer comme un lièvre. Vite, avant qu'il ne délivre l'esclave. Où est-ce qu'il est? Là-bas, dans la cabane. Écoute-moi, André. Ne sois pas dur envers ce pauvre enfant. Non, chérie, je te le promets. Ils se sont enfuis. Enfuis? Oui. Chercher les chiens. Ils ont défilé en direction de la crique bleue. Et nos 200 dollars. Allons, dépêchons-nous. Blackie, Toby, en route. Quant à vous deux, disparaissez. Allez, 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 cherche. Cherche. Allez, cherche. Appuie-toi
Appuie-toi sur moi, Jim. Courage. J'en peux plus. Je ne vois pas, aide-moi à présent. Ça y est, ils ont trouvé la piste. Peut-être que les autres esclaves ont menti. Peut-être qu'on a pris le mauvais chemin. Allons, viens, c'est par là, j'en suis sûr. Regarde, par ici. Regarde là-bas, c'est la crique bleue. Je n'y arriverai jamais. Je n'en peux plus. Il faut que tu traverses. Vas-y, Jim, vas-y. Ta veste, donne-moi ta veste. Très bien, Jim. Allez, va. Va tout droit devant toi et bonne chance. Tout droit devant toi, t'as compris? Ils sont passés par là. On l'a attrapé, shérif! Hé, shérif! C'est lui le coupable. C'est lui, il a aidé l'esclave à s'échapper. Alors, mon garçon, où est-il? Il s'est noyé en traversant la crique. Il ment! Vous avez bien raison de vous fâcher, monsieur. Vous m'aviez chargé de les aider à s'enfuir et non à se noyer. Quoi? Alors, ça ne serait pas très juste de garder l'argent. Une pièce de 20 dollars en or. Vous êtes des abolitionnistes. Une espèce de petite crasse. Attention à vous, hein? Ça servira de pièce à conviction. Enfin, écoutez, shérif, on n'est pas des abolitionnistes. Écoutez, c'est vous. Je crois que je suis aussi méchant qu'eux, shérif, mais... Comment voulez-vous qu'un pauvre petit garçon comme moi se défende contre ces deux espèces de films? Oh, toi, je vais t'étrangler. C'est fini. Je ne crois pas que ces menaces arrangeront vos affaires. Je sais que rien de tout ça n'est de ta faute, mais il vaut mieux que tu viennes aussi. Pauvre gosse, tu dois être affamé, hein? J'aimerais bien vous accompagner, mais il faut que je retrouve mon radeau. Je l'ai laissé au bord de la crique. Et j'ai très peur que quelqu'un ne vienne me le voler. On ne sait jamais avec ces abolitionnistes qui rôdent partout. Shérif, ne l'écoutez pas. Vous taisez-vous, si vous tenez à ce que ma carabine en fasse autant. Toi, dès que tu auras retrouvé ton radeau, il faudra le cacher. Et après, tu viendras à la ferme. Ma femme a fait une tarte aux myrtilles aujourd'hui. C'est la tarte que je préfère. Allez, avancez. Tous les deux. Oh, toi. Moi, je le tuerai. Allez, va et dépêche-toi, jeune homme, sinon ma femme m'obligerait à venir te chercher. J'ai de la chance, tu crois pas? Où est-ce que tu l'as trouvé? Oh, c'est vraiment un joli radeau. Sacré petit gamin. Ah. Oh, je suis tellement contente. Oh, moi aussi. Oh. Oh. Notre radeau était bien plus beau, il n'y a pas de comparaison. Il faudra installer une petite tente pour dormir et se protéger de la pluie. Et avec un sol en terre battue, on sera à l'abri des vagues et bien au sec. Au fond, je ne lui ai pas menti, oh chéri. Il vaut mieux que tu ne te montres pas. Il va revenir pour m'emmener chez lui. Ça n'a plus d'importance. Je suis enfin libre. Moi aussi, et j'ai bien l'intention de le rester. Cette gentille femme a probablement décidé de m'enseigner le meilleur moyen d'enfiler une aiguille proprement. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je crois qu'il faudra que j'aille faire voir à la veuve et à Madame Watson que je suis vivant. Ça, c'est bien, il faut faire ça. C'est ça que je devrais faire. Mais je ne pourrai jamais remonter le fleuve sur mon radeau. Alors je vais continuer à naviguer vers le sud encore un peu.
peut-être même que j'irai jusqu'à la Nouvelle-Orléans. J'ai bien envie d'aller avec toi. Non, mais tu n'es pas un petit peu malade, après tout le mal que je me suis donné. Alors pourquoi tu ne viens pas avec moi? Nous trouverons du travail dans le Nord. Peut-être dans la même boutique. On travaillera, on fera des économies, et puis on aura notre boutique à nous. Oh, si tu voulais, Huck, bientôt on deviendrait très riches, toi et moi, mon petit. Dis, ça ne serait pas merveilleux? Oh non, je ne serais pas heureux dans une boutique, Jim. Je crois pas que j'arriverai à me civiliser, tu comprends? Les boutiques, je les connais bien. Abat-toi, vapeur! Il va vers le sud, Jim. Vas-y, pousse le radeau. Si j'arrive à prendre le courant, je l'attraperai. Oh, ce qu'il est beau, hein, Jim? Fais bien attention, petit. Quand je pense à toutes les aventures qu'un gamin comme toi peut avoir jusqu'à la Nouvelle-Orléans... J'espère bien. J'espère que tu deviendras très riche, aussi riche que Crésus lui-même. Huck, tu m'écriras? Je ne suis pas très fort en écriture, Jim. Ça ne fait rien. De toute façon, je ne sais pas lire. Au revoir, Jim. Au revoir, mon petit gars. Que le Seigneur te bénisse.